Pasteur Constant, bonjour. Bonjour Audrey. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'un thème qui est actuellement développé à la Chapelle des Adorateurs, à savoir le panorama des adorateurs. Oui. Donc en quelques mots, pouvez-vous nous en parler un peu plus? Un panorama, c'est une vue d'ensemble. Donc au travers du thème panorama des adorateurs, nous avons voulu faire une étude approfondie des adorateurs dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais nous avons sélectionné quelques figures particulières pour tirer des enseignements, des expériences d'adoration qu'ils ont eues avec le Seigneur. D'accord. Et quand avez-vous commencé à développer ce thème? C'est un thème que nous avons commencé à développer au début du mois d'avril, le 6 avril précisément. D'accord. Et comment comptez-vous le clôturer? Nous comptons le clôturer en fin de ce mois. Le 27 avril, le dimanche 27 avril, et à cette occasion, nous avons organisé une journée de louange et adoration où nous avons convié des chantres comme Joseph Moussio, Oli Djambou, Floricia Matsima et le chœur des adorateurs, le groupe de notre église. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur. Merci.